16 ans et déjà publié. Ben, c'est le cas de Gwenaëlle. Gwenaëlle Savé, bienvenue à Genève. Merci. Alors, vous avez un nom à consonance bretonne, mais on sait tout, parce que votre papa est breton, mais vous habitez Saint-Pré, pas loin de Crissier, la maison mère de France Loisirs, Suisse. On a repéré votre stand, on a repéré l'article. Nouveau Monde, c'est quoi ? Alors, c'est un roman qui parle d'un groupe de jeunes qui vont se rendre compte que le gouvernement leur cache des secrets. Et donc, ils vont s'enfuir et l'histoire raconte leurs péripéties. Et bien sûr, il y a une petite touche d'amour qui naît entre ces jeunes. Alors, on imagine qu'il y a un garçon et une fille, ou vous êtes plus moderne que ça encore ? C'est un triangle amoureux. Deux garçons et une fille. 16 ans, vous êtes sûr que vous n'avez pas 32 ans déjà ? Non. Ça, c'est une inspiration un peu des romans japonais, la jeunesse qui va se défendre. Vous avez lu des choses japonaises ? Non. Pas trop ? Pas trop. Parce que c'est le trend de ce type de... Comme on peut faire des films où on voit des jeunes dans un collège et puis il y a des choses maléfiques. On est dans un monde parallèle ou on est dans la vraie vie là ? Dans la vraie vie. Ça peut se passer à notre temps, en fait. Ça se passe où alors, celui-ci, ce roman-là ? Alors, ça se promène un petit peu. Justement, il y a beaucoup de clins d'œil à ma vie parce que les lieux me sont familiers. Alexia, donc la personnage principale, elle vient de Nantes, donc en Bretagne. Ah oui, oui. Et ça se passe aussi à Clermont-Ferrand, parce que je suis aussi auvergnat. Oui. Mais alors, qu'est-ce que vous faites en Suisse, alors ? Et après, ça vient à Nyon, quand même. Ah, très bien. Ah oui, mais alors c'est le destin de beaucoup d'écrivains ou de beaucoup de gens de cette région. On est en pleine période d'examen et vous n'avez pas encore votre maturité. Donc comment vous avez fait pour pouvoir être libre depuis mercredi ? Eh bien, j'ai fait une demande à mon gymnase pour être libre et ils m'ont tout de suite accepté parce qu'ils ont trouvé ça incroyable. C'est la première fois qu'un élève leur demande d'avoir quelques jours de congé pour aller au Salon du Livre à Genève. Donc ils étaient vraiment impressionnés et ils m'ont souhaité tout le meilleur. Bon, on peut féliciter. Quel est le collège qu'on les nomme ? C'est le gymnase de Marcelin, à Morges. Formidable. Merci beaucoup. On va lire votre livre. Pourquoi Merci pas à vous. Sur notre catalogue ou sur le site internet. Ça vous permettrait d'élargir votre lectorat. Et puis, on salue votre papa, qui n'est pas loin de vous. Et c'est très bien comme ça. Merci et bonne Merci chance. Merci à vous. Merci beaucoup.